Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Ah. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Salut Bandelou, c'est Wolf et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode 54 pour être précis. Merci beaucoup d'être là au rendez-vous pour toutes vos astuces, vos commentaires, vos messages de soutien. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir participé et commenté à la vidéo annonce que j'ai proposée. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, dimanche, c'était samedi, donc il y a deux jours. Merci pour vos messages de soutien une nouvelle fois. J'insiste là-dessus parce que j'ai reçu des tonnes de messages, c'est un truc de malade. Des gens qui parmi vous me connaissent déjà depuis 6 ans, connaissent depuis les débuts de la chaîne, ne regardent peut-être pas forcément aussi ce let's play et ont commencé à le regarder, à s'y intéresser, à rattraper des épisodes qu'ils n'avaient pas vus. Une nouvelle fois, merci pour vos astuces, merci particulièrement à Simon Tickler, grâce à qui j'ai pu avoir 6431 rubis. Normalement, vous le voyez si au montage, je n'ai pas été trop mauvais. 6400 rubis grâce au bowling, mais en réalité, il m'a envoyé un MP sur Twitter pour me dire qu'en fait, c'était pas ça du tout que je devais faire, tout simplement vendre des brochettes. Alors je tiens à le montrer, car malheureusement, si je commence cet épisode au village des limites et pas au niveau de la tour des collines, là où on s'était arrêté la dernière fois, tout simplement parce que j'ai raté l'enregistrement de l'épisode entre-temps. Non pas que je l'ai raté d'un point de vue technique, mais malheureusement, il s'est rien passé d'intéressant, à part un souvenir, mais j'ai rattrapé la chose parce que je vous l'ai proposé juste avant cet épisode, mais en plus, j'ai raté juste un sanctuaire, enfin je l'ai fait, mais en tout cas vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai 6 emblèmes du triomphe, ça c'est fait, c'est cool. Et voilà, c'est tout en fait. Je me suis baladé, je me suis pris la foudre, je me suis fait foudroyer, j'ai perdu tous mes cœurs d'un coup à cause de ça. Bref, c'était juste une débandade, impossible de vous proposer ça, c'était vraiment un épisode pourri. Donc je préfère passer immédiatement à autre chose et vous proposer quelque chose de décent. Voilà, donc, je voulais vous montrer quoi? Oui, vous montrer les plats. Alors, vous voyez, j'ai fait des brochettes. Voilà, brochettes de viande. Donc ça, la récup totale, c'est fait avec des venaisons divines. Et ça, apparemment, quand je le revends, ça nous fait un truc comme 500 rubis. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester ça. Et en plus, à limite, il me semble que c'est là qu'on vend la tenue qu'il me manque, à savoir la tenue de discrétion. Juste avant de faire tout ce que j'ai à faire à limite. Ce qui se résume juste à aller parler à un enfant pour pouvoir enfin aller changer tout, mais réceptacle d'endurance en réceptacle de cœur. Je tiens juste à jeter un petit coup d'œil ici. Est-ce que c'est par là? Pas du tout. Ah mince, c'est à Cocorico si ça se trouve. C'était sûrement à Cocorico. Je me suis trompé de village. C'est ballot. Bon, tant pis, c'est pas grave.
Alors, il y a des gamins qui courent dans tous les sens, mais moi, c'est un autre gamin que je tenais à aller voir. Vous m'avez laissé plusieurs astuces. Alors, la première astuce, c'est que je dois avoir entre 13 et 15 cœurs avant de me rendre à la forêt Korugu pour pouvoir récupérer l'épée purificatrice. Donc, autant faire ça tout de suite, et pour cela, je dois parler à ce jeune garçon qui s'appelle Pico. Trop fatigué, VO dodo. Mais non ! Oh, mais il est 20h ! Va pas dormir, pas tout de suite ! Oh, l'abus. Non, mais il court partout et il est 20... Enfin, en même temps, vu son âge, c'est un peu normal qu'il aille se coucher à 20h. Moi, quand j'avais son âge, je me couchais, il était 20h30, un truc comme ça. Donc, évidemment, tout petit, vous vous couchez beaucoup plus tôt. On va dormir jusqu'au matin, on va attendre qu'il se réveille, le garnement. Je vais en profiter donc pour vous parler d'autres petites astuces que l'on m'a laissées. Donc, ouais, vous n'étiez pas vraiment d'accord sur le nombre de cœurs. Je me suis arrêté à 15 cœurs. On sait jamais, mieux vaut en avoir 15 que 13. Y a d'autres petites choses aussi, donc voilà. Je me rappelle plus exactement quoi. Alors attendez, j'ai tout prévu, j'ai mon petit poste de contrôle. Au lieu d'utiliser toutes les flèches de glace, ça c'est Pono24 qui me le dit, j'aurais pu utiliser Cinétis. Et oui, c'est vrai, j'aurais pu utiliser Cinétis, j'ai complètement zappé d'utiliser mes runes. Donc vous étiez plusieurs à me rappeler que j'aurais pu utiliser mes runes au lieu d'utiliser mes flèches de glace. C'est pas grave, j'ai des sous, je vais pouvoir en racheter dans divers boutiques. Et je crois que le gamin n'est pas encore réveillé. Non seulement il se couche tôt, mais en plus il se lève tard. Alors, je sais bien que quand on est tout petit, on a besoin d'une demi-journée entière, à savoir 12 heures de sommeil, mais quand même. S'il vous plaît, les amis, laissez-moi. Oui, je sais, tu es fatigué. Repose-toi jusqu'à midi, ce sera très très bien. Je vais en profiter, essayer une attaque chargée avec une lance, c'est Ziad qui me laisse ce commentaire. Donc encore une fois, merci les amis pour tous vos commentaires laissés sur les différents épisodes. Et ne pas hésiter à utiliser une arme de gardien pour attaquer un gardien. Ça paraît logique effectivement de faire cela. Et il pleut, est-ce que le gamin est en train de se prendre la pluie ou est-ce que je suis définitivement maudit du slip avec cette histoire de gamin ? Faut que je lui parle pour activer la quête. Alors s'il vous plaît, laissez-moi. Ah, il est là. Est-ce lui ? Oui, c'est Pico. Ah bah apparemment, il avait envie d'être au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème, un petit ? J'ai trouvé un truc super incroyable. Tu veux voir ? Bah vas-y, fais voir. D'accord. Alors tu dois me suivre. Je dois te suivre. Bah vas-y. Ah mais par contre, ça va être super long. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va se retrouver, à moins que ce soit juste à côté peut-être. Tu as un truc super incroyable à me montrer. Qu'est-ce donc ? Faut-il passer par ici ? J'espère que c'est pas trop trop loin, parce que si ça l'est, ça va être un peu galère. Et en même temps, lui, quand il court... Oh ! Ah, elle est là la fameuse statue ! Elle est là la fameuse statue, oui ! Voilà, ok, journal. C'est la fameuse quête de sanctuaire, la statue maudite. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la porte, la voie de l'épreuve secrète. Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Quoi, tu peux parler ? Tu arrives à m'entendre ? Bah oui, c'est inattendu. Tu es venu prier pour moi, vivre le plus longtemps possible, devenir riche, un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence que tu vois là. Depuis, les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Ces misérables laissent carrément la fiente d'oiseau me recouvrir petit à petit sans même sourciller. On pourrait croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle ! J'ai pris mon mal en patience, attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça fait du bien de vider son sac de temps en temps. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Wow.
Je m'épate moi-même. Vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. The fuck? Mais il m'a ôté un cœur. Mais tu vas me le rendre tout de suite, oui? Qu'est-ce que tu veux encore? Eh ben, tu vas me rendre mon cœur tout de suite, oui? Tu croyais que j'allais t'arnaquer, c'est ça? Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux? Je te l'ai sûrement déjà dit, je donne de la vie et de la force. Je vais te rendre le réceptacle que tu m'as confié. Tu as juste à choisir le type que tu veux, cœur ou endurance. Bah, cœur, s'il te plaît. Ça marche, bouge pas. Et hop. Tu as l'air sceptique. Il n'y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, faudra allonger l'oseille. Voilà comment ça va se passer. D'abord, tu me vends un réceptacle pour 100 rubis. N'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120 rubis. Je te laisse choisir ce que tu veux en faire, un réceptacle de cœur ou d'endurance. Alors, si t'as envie de faire affaire avec moi, n'hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. En même temps, comment est-ce que tu pourrais bouger? Ah, c'était une mission, c'était pas un sanctuaire, pardon. C'était... Oui, bah non, bah je me disais bien, non. Ah, pourtant, perce les yeux illuminés. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Ah, il faut que je retourne voir le... D'accord. La personne. Et ensuite, j'ai eu une mission, c'est pour ça, la statue maléfique est devenue une mission. Mais en fait, c'est mission et mission sanctuaire, ok. Eh ben, Pico, merci beaucoup pour ton aide. Et t'étais en train de parler à la statue? Ben... Ouah, c'est possible de parler avec les statues? C'est trop fou. Je rentre, moi. Certes, si tu veux. Bon, alors du coup, toi, je vais pouvoir obtenir des cœurs supplémentaires grâce à toi. Bah, vas-y. C'est toi. Ta venue est liée au réceptacle, pas vrai? Je le sens. Alors, on fait affaire? Ça marche. J'ai pas le moindre réceptacle. Tu veux en vendre? Oui. Quel type de réceptacle est-ce que tu veux me confier? Endurance. Je te file 100 rubis en échange de ton réceptacle d'endurance, ok? Marché conclu. Donc là, je perds un réceptacle d'endurance. Mais je vais pouvoir ensuite obtenir... En récupérer... donc récupérer un réceptacle de cœur à la place. Et il faut filer 120 rubis. Ça marche. Je ne savais pas qu'il fallait payer. Et hop, un cœur de plus. Oui, tiens, bah, je vais t'en vendre plus, en fait. Je vais tous te les vendre. Ah, par contre, ça va être long, quoi, si on doit faire tout ça. Ça fait bizarre. Ouais, bah, on va tout faire d'un coup. C'est bien, on récupère des rubis facilement, mais... Au final, on perd plus de rubis qu'on en gagne. Je vais en céder que 4, puisqu'en fait, je peux en récupérer un grâce aux 4... comment dire? Aux 4... emblèmes du triomphe que j'ai récupéré dans les sanctuaires. Je veux choisir autre chose. Je veux en récupérer un, et je vais récupérer des cœurs. Je te file 120 rubis. Donc en fait, je dois juste payer 20 rubis par transaction, quoi, tout simplement. Voilà, marché conclu, c'est très bien. Ah, ça fait plaisir de gagner tellement de cœurs comme ça. Et hop. Et bah voilà, c'est parfait. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Je suis à 14. Je laisse tomber, merci. Alors, fiche-moi le camp. Bah dis donc, toujours aussi sympa. Toujours aussi sympa. Eh bé... On est où, là, exactement? On est à côté de l'étang de Siolou. Ok, ça marche. Oui, on est juste à côté du village des limites. C'est la seule chose que je retiens. Ok, alors, effectivement, je n'ai plus beaucoup d'endurance, maintenant. Ça, c'est clair. Mais je vais pouvoir aller récupérer mon 15e cœur. En me téléportant. Et pour le coup, on va aller se téléporter à Cocorico. Comme ça, je vais pouvoir... alors, source de la sagesse, c'est pas ici... D'ailleurs, en parlant des sources, il y a encore source du courage et source de... Je sais plus.
J'ai oublié le nom du troisième fragment de la Triforce. Quelle galère. Mais il n'y en avait pas une, là, justement, de source, quelque part? J'ai cru que c'était écrit « mon gogol ». Non, le gongle, le mont gongle. Marais sans fond, prairie des ramages. Mais c'est où, ça? Mais oui, puis, c'est la zone du château d'Hyrule. N'y avait-il pas quelque chose par ici? Mont Roam, est-ce une source particulière? Grand pont de Tabanta? Il me semble qu'il y a quelque chose par là, hein. À moins que je me sois trompé. Fontaine de la Grande Fée, effectivement, il y a encore des choses à aller faire là-bas. Mais pour l'instant, donc, j'avais dit qu'il fallait que je me téléporte à Cocorico. Cocorico, Cocorico. C'est juste là, au sanctuaire de Taoni. Allons-y. Donc voilà, c'est le premier épisode de Zelda Breath of the Wild du Summertime, puisque je n'ai pas donné le nom de cette opération spéciale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il augmente son nombre d'épisodes? C'est le Summertime, c'est bientôt les vacances, vous allez pouvoir avoir une pléthore d'épisodes pour vous divertir entre deux devoirs de vacances, parce que je sais que vous êtes des élèves sérieux. Non, je déconne. Et quoique, hein, vous pouvez tout à fait. Hein, moi, je sais que je faisais partie de ces élèves qui achetaient les fameux cahiers de vacances passeport. Parce que je trouvais ça très sympathique. Voilà, mais ça a duré que le temps de l'école primaire. Hein. Passé l'école primaire, je n'achetais plus ces trucs-là. Mais j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup parce qu'en fait, chaque double page était un thème particulier. Il y avait des exercices de français, de maths, de sciences, tout ça. C'était assez cool. On va aller prier pour obtenir notre 15e cœur. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe. C'est vachement pratique quand même d'être une déesse parce que avec un bavoir. Hein, parce que vous pouvez faire surgir les lumières même quand il pleut, c'est super. Alors je vais obtenir un cœur en plus s'il vous plaît madame. Je récupérerai mes réceptacles d'endurance de toute façon. Et voilà, réceptacle de cœur. Voilà qui fait plaisir. Et je suis à 15. Mon Dieu, tellement de cœur. Je vous rappelle que par rapport à Twilight Princess, où vous n'aviez que 20 cœurs maximum, là, il y en a 30. Donc c'est quand même vachement cool. Je vais aller et ramener la paix en Hyrule. Ne t'inquiète pas, déesse. Alors, c'est vrai qu'ici, vous avez le petit Korogu qui apparaît lorsque vous mettez toutes les pommes dans les bons réceptacles. Et je vais courir avec mes petites jambes. Affûté, oui, parce que je peux m'affûter les jambes, je suis très 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 fort. Où se trouve la boutique de vêtements? Je ne sais plus. Je veux mes vêtements. Donnez-moi mes vêtements. C'est par là, elle était juste là en plus, mon Dieu. Que je fie gauche. Voilà, je vais pouvoir acheter la tenue complète. 600 rubis, vas-y, allez, fais péter. Hop, j'achète. Chose furtive, et boum! Ensuite, la combinaison furtive, 700 rubis, vas-y, fais péter! Bon, évidemment, faire péter, c'est une expression, hein. La combinaison furtive n'a pas d'anus, hein. J'aime beaucoup mon amour. Et le masque furtif, s'il vous plaît, 500 rubis tout rond. C'est vachement rush, hein, quand même. Hein. Mais bon, ça vaut le coup, ça me coûte que quelques strikes. En même temps, on va pas trop se plaindre. Tout ça, j'ai déjà, c'est pas la peine. Et je souhaiterais également aller m'acheter... Alors, ce serait quand même beaucoup plus pratique si... Je ne me coinçais pas le derchon. Alors, c'est vrai que maintenant, je vais en chier, hein, on peut le dire, hein, pour courir. Parce que je n'ai plus qu'un seul réceptacle. De plus, par rapport à d'habitude, en termes d'endurance. Alors, les flèches de feu, combien t'en veux? 10, j'achète tout. Une flèche de feu, c'est bien. Flèche de feu, c'est 80 les 5. Je t'achète tout. Ça va en faire plein. Je t'achète tout le stock, voilà. En zone glacée, ça va être très très utile. Le problème, c'est qu'elle n'a que ça après. La flèche de bois. Je vais me téléporter dans un endroit où il y a beaucoup plus de flèches. C'est la cité Gerudo. Allons-y. Et pendant ce temps, je retourne sur mon écran de contrôle, histoire de lire d'autres petites astuces
Certains d'entre vous me disent également, c'est le cas de Cacao Cacao. Cacao Cacao, très joli pseudo. Qui avait un oral il y a 2 jours, et c'est le truc le plus déstressant de regarder Zelda. Donc merci, merci beaucoup, ça me fait plaisir et j'espère que tu as assuré à ton oral. Parce que très honnêtement, je me rappelle de mon oral de maths au bac. Parce que oui, je n'ai pas eu mon bac du premier coup, j'ai dû passer à l'oral. Et ça s'était très bien passé. Ouais, très très bien passé. J'ai passé l'oral de maths et de physique. C'est-à-dire les 2 oraux les plus chiants, en fait. Mais au départ, je voulais prendre l'oral d'histoire-géo. Et je crois que j'ai vraiment, vraiment bien fait de prendre l'oral de maths et l'oral de physique. Et je me rappelle très, très bien du chant des tourterelles qui, à l'époque, me cassait la tête. Voilà, voilà, les tourterelles, les fameuses. Maintenant, j'adore les tourterelles. Il y a même des bébés tourterelles qui ont éclos, en fait, pas loin de chez moi. Donc j'aime beaucoup les colombidés, comme on peut les appeler. Mais je peux vous dire que entendre le alors qu'on est en train de réviser son oral de maths, ça vous court sur le haricot, je vous le dis. Alors, beaucoup de flèches, on va pouvoir tout acheter. Ce qu'il me faut, c'est surtout les flèches de glace. C'est 140. Ah bah je vais pouvoir en acheter. Ah bah c'est super, bah je t'achète tout, tiens. Allez hop, 30 flèches de glace à 420 rubis. Fais péter. Tu referas du stock, bah j'y compte bien. Flèche électrique, c'est encore mieux. Parce que là, tu as 10 flèches électriques, c'est que des lots de 10 en fait. Quoique non, flèche électrique, j'en ai pas forcément besoin. C'est surtout les flèches explosives. Et 20 flèches explosives. Oh la vache, je peux en acheter 60 pour 1800 rubis. Ah, je vais peut-être avoir besoin quand même. Non, j'ai changé d'avis, je vais peut-être en acheter que 40. C'est déjà énorme, hein, 20, quand on y pense. 1200 rubis pour 40 flèches explosives. Allons-y. Bah, j'étais bien bien content quand même d'avoir cette technique de farm de rubis. Hein. Je pense que je vais retourner faire quelques strikes dans l'inter-épisode, je pense. Ou peut-être pas. Peut-être tourner 2 épisodes de suite. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que je tourne des épisodes à la suite que vous pouvez pas me laisser de commentaires. Hein. Je vous en supplie, laissez-moi vos astuces dans les commentaires et je n'hésiterai pas à lire tous vos messages dans les épisodes. Alors, maintenant que j'ai terminé tout ça, alors hop, mon écran de contrôle, le fameux, m'indique que nous en sommes à presque 22 minutes de jeu. 22 minutes d'exploration, moi j'ai envie de vous dire qu'on pourrait rejoindre Culotte, qui est juste là. Le problème, c'est que... Alors oui, Culotte était là. Pourquoi est-ce que Culotte se retrouve dans cette zone-là? Tout simplement parce que dans l'épisode perdu, dans l'épisode que j'ai effacé, j'étais là, justement. C'est le fameux endroit où je me suis fait un peu exterminer. Et il faudrait que j'y retourne. Et on va appeler Culotte. On va se téléporter au... Alors, c'était par là. Il est où, le... Alors, refuge de Pondo, donc c'est là qu'il y a la tour des bras, effectivement, mais c'est pas là que je veux aller. C'est le relais. Donc le relais, en fait, c'est le sanctuaire de Rimona. On va se téléporter par là. Je vais emprunter, non pas emprunter, mais tout simplement appeler Culotte pour pouvoir continuer de m'envoler dans les prés, j'ai envie de vous dire. J'espère que c'est le bon temps. Je vais m'envoler au petit matin, et j'espère juste qu'il ne va pas faire mauvais temps. Parce que je peux vous dire que c'est une vraie, vraie, vraie galère. Donc voilà, je suis à 15 cœurs. Normalement, tout devrait bien se passer pour moi récupérer l'épée purificatrice. J'espère vraiment. Ce serait même cool de l'avoir dans cet épisode-ci. J'y crois moyen parce que on est quand même à 23 minutes. Ça pourrait être un peu galère. Alors oui, là, par contre, je ne suis pas du tout... Voilà, c'est pas la bonne acclimatation. Par contre, masque furtif, tout ça, discrétion, ça c'est pratique pour partir à la chasse. La fameuse chasse qui consiste, et ça c'est la fameuse, le fameux conseil de Simon Dekiller, qui m'a expliqué que cette zone dans laquelle je suis, la prairie gelée, est absolument parfaite pour farmer le rhino et farmer également le cerf. Les deux nous donnent beaucoup de viande, en général 3 morceaux de viande à chaque fois, que ce soit la venaison fine ou la venaison divine. Et c'est vachement pratique pour pouvoir se faire de belles grillades. Et c'est pas par là qu'il fallait que j'aille du tout. Je me suis gouré. J'ai couru. Et quand je suis arrivé, j'ai couru tout nu.
Et je l'ai les balls. Et alors, évidemment, j'ai fait le kéké. Hein, c'était évident que j'allais faire le kéké. Puisque certes, là, je me réchauffe. C'est vachement cool. Par contre, il est impossible de réchauffer la viande congelée. Elle est considérée comme un plat, la viande congelée. Voilà, viande fine congelée. Et j'ai 7 morceaux de viande. Parce que c'est qui le kéké qui s'est amusé à chasser le cerf avec ses flèches de glace? Voilà, voilà. Alors, en même temps, je suis en train de me jeter la pierre, mais c'est pas vrai. Je crois pas que ce soit mes flèches de glace qui aient congelé la viande. C'est surtout parce qu'on était dans la prairie gelée, et lorsque la viande tombe dans la neige, elle gèle automatiquement. Donc, du coup, bon, vous pouvez m'accorder le bénéfice du doute, je pense. Varken, s'il te plaît. Je souhaite emmener un cheval. Je souhaite emmener culotte. 72 en points d'affection, c'est cool. Par contre, je ne sais plus comment améliorer les chevaux. Je crois que j'ai même jamais su. Endurance considérable, filet au triple galop. Oui, mais c'est pas grave. Culotte est très bien. Ce que je voudrais faire... De toute façon, là, il fait moche. Il fait clairement moche. J'ai beaucoup de flèches de feu, des flèches explosives, tout ça. On va exploser du renard, en fait. Non, on va peut-être même... on va exploser du renard. Boum. Oh là là, le pauvre. Oh, c'est jackass le truc. Et j'ai de la viande fine congelée. Vous voyez? En fait, elle a gelé quand même. C'est un autre vendeur. Bonjour. Non, c'est Bambo. Je me demande si les pros glissent même dans des conditions pareilles. C'est un coup à se perdre pour de bon. Bon, ça va. Tu m'aides pas. Donc c'est pas grave. Je vais dormir. Près du feu. De me faire une petite méditation. On va attendre jusqu'au matin, histoire de ne pas se faire surprendre par la nuit. J'espère aussi ne pas tomber sur une lune de sang. Préfère vraiment être dans un village les nuits de lune de sang, parce que du coup, ça me permet de faire des potions un petit peu plus classiques. Pas classiques du tout, justement, des critiques. C'était ce que je voulais dire, critiques et pas classiques. Il va falloir que je passe par le chemin par ici. Voilà, je te calme. Alors, par contre, j'ai un petit peu de mal à diriger culotte. Hein. Oui, parce que je l'ai appelé culotte. Je n'ai absolument aucun amour propre. J'ai explosé mon cheval. Mais je suis ridicule. C'est naze. Par contre, regardez-moi ça. Venaison fine et venaison divine. Pardon, excuse-moi, culotte. Je suis nul. Je fais exploser le cheval et je fais exploser le cerf. Et c'est encore mieux. Par contre, tout ça va geler, évidemment. Voilà, vous avez vu? Tout ça gèle et glisse. Et là, j'ai de la viande divine congelée. Je suis vraiment dégoûté. Il faut que je ramasse tout ça. Et c'était l'avertissement de Simon des Killers. C'est le problème, évidemment. Il faut que je les tue, mais... Que je les tue... En fait, je crois que j'ai pas trop le choix. Il faut que j'utilise ma tenue... voyez, furtive. Je vais essayer. Je vais faire une tentative. Je vais me geler les miches. Mais je crois que j'ai un truc pour résister au froid. Je vais manger un truc. Un plat. Je crois que j'ai un truc pic-pic. J'ai un remède pic-pic. Juste un remède. On va prendre le remède, voilà. Comme ça, je vais résister. Et je vais essayer de les taper avec mon arme électrique. Bon, ça sert à rien. Je prends ma venaison divine, parce que mine de rien, les renards, ils donnent grave. Et mon antifroid, il marche pas des masses. Hein. J'aurais dû prendre un niveau 2. Bon, tant pis. On va pas s'appesantir là-dessus. Je vais prendre immédiatement la tunique dufteuse, un antigel. Je vous rappelle que je peux toujours être immobilisé à cause du gel, mais je ne peux pas être blessé à cause du gel. Donc ça, c'est pratique grâce au pouvoir de la tenue piaf améliorée. Par contre, culotte, en termes d'obéissance, on repassera. Hein. Ah, yes, tu me fais plaisir, Ordrak. Attendez.
Ça a marché ou pas? Yes! Yes, yes, yes! Mais alors, il va tomber où? Oh là là, le bonheur! Par contre, non, 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 non! Voilà, juste là, s'il te plaît. Une écaille d'or, Drake. Hop, ça me fait plaisir. Merci pour ta contribution et pour l'ensemble de ta carrière. Aïe! Oh, j'en ai rien à faire! Alors, faut juste pas que je me fasse toucher. Lui, Ordrak, il est très certainement lié à une source. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un arbre. Ce n'est rien. Il faut que je suive juste le bon chemin. Oh, oh, ça, c'était joli. C'était très beau. Ok. Bah oui, mais évidemment. Oh là là, et quel canasson. Quel canasson. Vas-y, fonce-lui dans le lard. On voit, c'est pas avec culotte que je vais lâcher par rapport à... Enfin, je vais pas chasser l'élan. Par contre, en termes de lâchage, c'est la caméra qui m'a lâché. Elle a redémarré grâce à mon petit coup de doigt magique. Le fameux coup de doigt du Wolfy. Il est mort ? LOL ! Énorme ! Hop, la venaison divine ! Yes ! Ça fait plaisir. Eh, juste un coup de cheval, un petit coup de sabot et boum. On en entend plus parler. Magnifique. Alors, il est l'heure. Hop. De se rediriger vers notre quête principale. On va courir par là. J'imagine que c'est le bon endroit. Je ne suis pas sûr. On va calmer, on va essayer de gagner la confiance de culotte. Et gagner la confiance de culotte, c'est quelque chose, les amis. Moi, je vous le dis. On est sur le bon chemin, hein, je pense. Je pense, on va continuer, on va évoluer. On est sur le bon chemin. Donc je vais en profiter justement pour vous remercier les amis, une nouvelle fois, je ne fais que ça, vous ne tarissez pas d'éloges sur mon travail et j'en suis vraiment très ému. Vas-y, attends, je chasse avec le cheval. Hop, je chasse avec le cheval. Attendez, ça c'est magnifique. On n'est plus dans une région enneigée. Malheureusement, il ne laisse qu'un morceau, ça c'est dommage. Il y a des bouquetins. Et le cheval sur son rocher, c'est beau. Je vais en profiter juste hop, pour revenir sur tout ça. Je pense avoir déjà lu là, tous les commentaires de l'épisode précédent. Donc je regarderai un petit peu d'autres astuces que vous m'avez laissées. Alors on va juste... Voilà, reculer, ça c'est intéressant. Oui, oui, je sais, tu n'es pas content, mais c'est pas grave. La culotte pas contente, attention. Et parce que j'ai toujours considéré culotte comme une jument, alors qu'en fait, c'est impossible de déterminer le sexe, il me semble. Hein. Je crois que c'est pas indiqué, hein, le sexe du cheval. Oh non, il y a un linel là-bas. Oh, je suis pas prêt, là. C'est un linel de quelle couleur? On va peut-être... Il y a un linel juste là. Alors attendez, je vais le noter dans... Je vais mettre... parcourir. Ah, je peux pas taguer l'endroit. Ah si, je peux le marquer ici si, avec un tampon en utilisant A. On va mettre... ouais, le crâne. C'est un endroit où je peux trouver un ennemi. C'est un linel blanc. Attendez, je vais essayer de m'éloigner. Ouais, c'est un linel blanc. Mais là, on a une meilleure photo, là. On va avoir une meilleure prise de vue. Un linel blanc, c'est un zèbre, en fait. Hein. C'est un lion zèbre. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Genre, très très fort. Prie. Ne te fais pas remarquer. Ah, ça y est, on arrive. Je commence à voir une forêt.
J'adore, c'est excellent. Mais dès qu'elle voit un rocher, culotte, ça y est, elle s'emballe, quoi. On se calme, on avance, on est tranquille, pépère au KLM, hein. C'est tout. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, je chasse la viande à coups de sabot. Non, ça n'aura pas marché, c'est dommage. Mais voilà, nous sommes arrivés à destination, les amis. Ça fait plaisir. Et je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Culotte, arrête-toi. Nous sommes arrivés au bon endroit. Je n'ai pas du tout trouvé la tour. Ça, c'est un truc... Ça, par contre, c'est pas cool. Et juste là, vous le voyez. Ça, c'était un vortex de disparition de dragon. Il faut que j'arrive à mettre la main. Oh, vous avez vu comment c'est dark? C'est super dark. Je sais pas pourquoi c'est dark comme ça. Mais il me faut impérativement activer la tour. J'en suis à combien? J'en suis à 35 minutes. On a peut-être le temps quand même d'aller activer la tour. Je vais courir. Et ce serait vachement cool d'activer la tour de la terreur. La tour de la zone. Je sais pas du tout où elle est, mais j'aimerais beaucoup le savoir. J'ai plus qu'un seul... Ah, ça c'est très gênant, par contre. Je vais activer le pouvoir de Révalie. Il reviendra de toute façon. Je ne sais pas du tout où se trouve la tour. Pourtant, on est sur le bon chemin. Hein. Vas-y, saute. Oh mon dieu, c'est glauque. C'est une forêt complètement morte. C'est super glauque, cet endroit. Et je ne vois même pas la tour. Il n'y a pas de tour. Par contre, je reconnais cet endroit. C'est le labyrinthe où on avait été l'autre fois. Et on voit l'ancien château des Dalles. Hein. Le château nord. Mais impossible de distinguer la tour. C'est ouf. Elle était là pourtant. Il y avait une tour dans le coin. Eh ben écoutez, on va s'arrêter sur ce mystère. J'espère pouvoir le désépaissir. On s'approche dangereusement de la montagne de la mort qui rejette énormément de soufre, comme on peut le voir là. Waouh. Eh ben c'est particulier. C'est très très spécial. Ben écoutez... Il me tarde de découvrir ce que cache cette forêt qui est juste là. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. Prenez bien soin de vous, cliquez au bon endroit pour être servi. Je sais pas du tout ce qui m'est tombé dessus. Mais en tout cas, cliquez au bon endroit pour vous abonner, pour voir d'autres vidéos. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao.